Hey, salut les amis, c'est avec plaisir que je vous retrouve pour ce nouvel épisode sur Assassin's Creed Origins. J'espère que vous allez bien alors que nous sommes dans les confins de l'Égypte. Bienvenue à vous en tout cas, j'espère que vous allez bien. Alors, on va quitter. Ah, quoi que non, je pouvais faire. Ah oui, non, mais c'était pour moi ça. Ah ouais, le bateau se déplace en vrai. Là, je viens de voir. Mais moi, je veux pas du tout aller là. J'ai préparé mon plan. J'aurais pu me TP, on aurait gagné du temps. Voilà, moi, je vais aller faire cette quête-là. Normalement, si tout va bien, c'est une quête. Je vais pas vous spoil, mais c'est une quête intéressante. En tout cas, c'est un event. Voilà, je me suis renseigné un peu en fait sur qu'est-ce que cette couleur différente sur les quêtes secondaires. Voilà pourquoi il y a des quêtes blanches et il y a des quêtes affichées un peu en vert bleu. Je sais pas quelle est la couleur exacte, mais ça ressemble à un turquoise par là, dans ces eaux-là. Voilà comment je le vois. Là, je suis à pieds nus, quoi. T'aurais pu mettre des chaussures, mon grand. Pourquoi n'as-tu pas mis tes chaussures? Imagine, tu marches dans le sable, il y a un scorpion, il vient, il te pique. Là, tu meurs. Non, mais tu décèdes, poison. Donc voilà, je veux faire un petit détour. Je voulais faire plaisir, parce que si c'est ce que je pense, d'après ce qu'on m'a dit. On m'a dit qu'il y avait des possibilités. Je vous l'avais dit, je fais le jeu en même temps que Butters. Voilà, même si lui n'enregistre pas, mais on fait le jeu chacun de notre côté. Et je pense qu'un de ces quatre, on sera justement un petit retour comme ça autour de la série. La question, c'est est-ce que ce retour sortira avant que tous les épisodes soient en ligne? Ça, c'est une autre question. Il faut que je me mette un marqueur parce que sinon le marqueur n'aurait pas marché. Donc voilà, dans une petite montagne là-bas. Alors j'ai voulu aller là, mais j'ai pas trouvé. J'ai trouvé l'entrée de la pyramide, mais j'ai pas du tout trouvé comment on avance. Il me reste encore ça qui est apparu. J'ai toutes les quêtes. Alors j'ai pas fait les quêtes à Memphis. Hein, j'ai fait toutes les quêtes pour l'instant en cours qui me manquaient sur la route. Donc du côté de Gizeh, bah, il y en a même encore une autre qui est apparue. Ah non, je l'ai pas faite celle-là. Non non, j'ai été faire celle qui était bah, par ici. Voilà là, celle qui était à Alexandrie, mais il y a toujours des quêtes qui apparaissent. Éducation supérieure, tiens, elle est apparue alors qu'elle n'y était pas. Celle-là, c'est la suite, je pense, la célébration des philosophes, là, des poètes ou je ne sais plus quoi. Mais en tout cas, j'ai avancé. Sans vous mentir, j'ai avancé. J'ai encore des contrées ici où j'ai pas été. Donc là-bas, il doit y avoir une ville, c'est un tableau des informateurs. Mais on va peut-être jouer. Franchement, on va peut-être jouer parce que là, vous allez dire, ouais, le mec, il se fout de ma gueule, il fait que parler. Pour parler, ça, il y a du monde. Pour jouer, il n'y a plus personne. Donc ouais, non, sans déconner, on va se faire ça bien. Et on va aller là-bas. Parce que ouais, ma quête, elle est loin, mais en fait, c'est pas du tout la quête que je veux suivre. C'est la suite de la lance. Parce que c'est vrai, j'étais revenu, je m'étais dit, mais je l'ai pas fait le truc du char avec la lance. Mais non, parce qu'en fait, elle est sur un bateau. Voilà pourquoi, merde, je suis sur un territoire de vautours, j'ai l'impression. Donc moi, je veux aller là-bas. La quête événement, voilà ce qui m'intéresse. J'aurais pu prendre mon cheval. Je l'ai dit, voilà, je marche sur le sable brûlant, alors que bah, la nuit, on dirait, commence à tomber, j'ai l'impression. En tout cas, il y a une tempête qui commence à arriver. Ça n'a pas l'air d'être la nuit. La tempête se déplace par là. Quoi? Wow, on voit la lune, je crois que c'est la première fois depuis qu'on est in-game qu'on voit ça. Mais je me dis que ça pourrait être cool, ouais, de. Parce qu'il me semble qu'il y a un trophée, il y a une pluie de sauterelles ou pluie d'insectes, je ne sais plus, un truc dans le genre. Ce serait cool. J'aimerais bien tomber dessus. Je pense que j'imagine que c'est un truc random. Butters m'en a pas encore parlé. Merde, c'est où? Ah, c'est là. Alors, est-ce que c'est la quête à laquelle je pense? Ouais, météore qui tombe près de nous. Quel est ce bordel? Un cadeau des dieux. Donc, on va faire maintenir. Comme ça va me virer l'autre. Rejoindre le lieu de la chute. C'est comme si Clay était descendu sur nous. Voilà. On va gagner quelques secondes comme ça. J'adore le cheval pour ça. Putain, tu montes tellement facilement sur les montures d'Assassin's Creed. Ok, on est bien. Voilà, j'avais dit ça va aller plus vite. On va aller sur les lieux de chute. Il y a du yak ou je ne sais quoi. Ok, allons voir alors. Qu'est-ce qui est tombé? Quel est ce météorite? La boule de feu a creusé une entrée menant à ce tombeau. C'est Un un signe signe des des dieux! dieux. Ouah, ça a fait une ouverture! Pardon, je mets un tout petit peu de son. Même si à la lecture, c'est toujours un peu mieux.
Est-ce que c'est une grande pierre tombée du ciel dont il émane une lueur bleue, pardon. On est ok, allons voir ça. Ah, j'allais dire mode lampe torche, mais je pense qu'il n'y a pas besoin. Hein. On a de la lumière. Donc on a 15. Peut-être que ça donnera un indice à quelqu'un. Une Est-ce une référence référence à à un un cadran cadran solaire. solaire? J'aimerais le savoir. J'aimerais le savoir. Ce Écho, nombre écho. a l'air d'être important. Résoudre l'énigme du cadran solaire. Alors j'ai envie de vous dire, il Ce faut venir à nombre a l'air 15h. d'être important. Alors je ne sais pas comment ça marche. Ah, bonne question. On me dit d'aller là-bas. Ouais, une zone d'exploration. Le problème c'est que j'arrive en pleine nuit, s'il nous faut du soleil, on est mal barré. Là. Plus si je suis bien en flèche. Non, il m'en manquait, j'avais raison. Des hyènes. Non, mais on a pris l'habitude. Près des pyramides, ceux qui terraient des hyènes. Level 22, mine de rien, c'est 4. Ouais, on va encore dire que je parle mal, voilà. Mais c'est sa mère la hyène! Voilà, moi j'étais genre tranquille. Après ça me fait des pots, donc je m'en fous, j'en ai besoin. On va pas se mentir. Oh, j'en ai grave besoin. Il y avait un truc à la base. Je vais pas t'empoisonner ta race. Oh, mais qu'est-ce qu'il y a? Oh, mais genre, il y en a encore plein. Mais il y en a encore autant. Alors il me semble que j'ai changé mes armes. Là j'ai une épée recourbée. Pour ceux qui ont calculé, hein, j'ai plus la double lame, mais j'ai encore mon javelot qui est toujours bon, mine de rien. Oh, lâche ma manche. Alors je pense que on est arrivé en pleine nuit, alors c'était peut-être pas le bon moment pour enquêter, je ne sais pas. Peut-être qu'à une heure précise en fait. Alors c'est une estimation comme ça. Dès qu'à une heure précise, ça se pourrait. En fait, la lumière passe à tel endroit où peut-être qu'il faut faire quelque chose. Je sais pas, orienter la lumière vers l'entrée. Ça pourrait être... Ah merde, c'est pour les endormir. Mais... Mais non! Comment on valide l'arc? Ah voilà. Ah merde! Ah c'est ça comme arc! Ah merde le boulet! Le mec il a bourré les flèches! C'est pas du tout ce que je voulais faire. Mais voilà, je voulais me choper de la volaille. Parce qu'on n'en a pas. Voilà déjà. Bon, retournons encaisser. Ordre de l'enquête. Bon. Là, on sait qu'on a des ruines. J'espère qu'on va pas tourner en rond. Ah, là, il y a un cadran. Représenté dans le tombeau. Donc, je pense qu'il y a un truc avec ça. Il y a un truc précis où on peut jauger. Mais moi, je serais partant pour l'idée, comme je vous ai dit, on se la joue à une heure précise. Et si on grimpait? Parce que je vois qu'il y a des armatures où on peut escalader. Je pense que c'est fait exprès. Peut-être que d'en haut, je ne sais pas. Alors le problème c'est qu'il n'y a pas d'écriture. Mais on voit que ce pilier, ça fait comme... Alors l'entrée elle est là-bas, donc je pense pas que le pilier puisse faire... C'est dangereux ce que j'ai fait. Ne pas reproduire à la maison, ne pas sauter comme ça. Ah mais je suis con, il y a des flèches ici. Non, j'ai plus le droit parce que j'en ai pris deux, mince.
Par contre, c'est un arc pas terrible que j'ai choisi. C'est l'arc qui défouraille. On va retourner à l'intérieur, voir vite fait. Il doit y avoir un indice. Voilà, donc déjà il y a un genre d'obélisque, on est d'accord, et ça me met trois directions. Donc si on se met face comme on était, il y a la branche de gauche, celle devant et celle entre les deux. Que forcément il faut voir ça à l'envers. Mais il y a des... Il y a genre deux lions en dessous. Il y a des arbres et il y a deux lions et le 15 a l'air d'être au milieu. J'imagine que le 15 c'est une porte de toute façon. On voit qu'il y a un interstice. Ça a l'air d'être ça. Par contre, ouais, je ne sais pas ce que c'est. Ah non, mais je suis nul pour les trucs comme ça. Mais je pense que c'est avec ça. Il y a un truc avec ça. Parce que ça fait... On a le cadran et c'est le seul qu'il y a, je pense. Dans le coin, j'en vois pas d'autres. Pourrait servir... Merde. Ah non, c'est des morts. C'est des cadavres, c'est bon. Là-bas, on a vu que ça sortait, et là, je pense qu'il n'y a rien d'autre. Oh, comment t'es coincé, toi? Voilà! Allez! Bon, allons voir ça. Alors, je sais pas si c'est le jour. La nuit, ça marche peut-être pas. Mais j'ai l'impression que, ouais, parce que là, la nuit, la lune, elle reste tout le temps du même côté. Donc, je pense qu'il nous faut le jour. Faudrait peut-être que je sais pas si je peux méditer de là-haut. Là, on est de l'autre côté si on réfléchit, parce que pour moi c'est ce trait-là, donc le premier, le troisième et le cinquième. Le 15 est tourné vers le 5. Eh, quoi que là, il y a, je sais pas, il y a des genres d'écriture là sur ces piliers aussi. Ça fait rien apparaître, on est d'accord? Qu'il y aurait une entrée à ce truc. Profiter de la nuit. Là, il y a des écritures, on voit. Mais je ne sais pas, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose avec ce tombeau? À quoi ça correspond ces trucs noirs? Je ne sais pas, malheureusement, on ne sait pas. Le problème, il est là. Alors, je ne sais pas si là, il n'y a pas une ouverture ici. Pour rentrer, pour aller chercher un indice. Là, on est toujours dans la zone d'exploration. Non, parce que là c'est le côté enseveli, donc ça fait une dune, donc c'est die. C'est die, die, die. Déjà, il n'y a pas l'air d'avoir d'ouverture, on est d'accord. Ah, je voulais être sûr. Même en bas. Ah, je me dis que peut-être on va essayer. On va méditer, on va essayer d'aller voir ça. Avec peut-être l'arrivée du soleil si on se met en haut, voir je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Je vous avoue que je ne sais pas. Allons voir vite. J'ai l'impression que le soleil justement donne sur l'aiguille qui est à gauche. Alors je sais pas, est-ce que c'est censé faire quelque chose? Mais grimpe. Ah ouais, mais le problème là, ça... Ah oui, peut-être. Ah voilà, regardez, ça fait trois. Avec les pylônes, ça fait plusieurs. Comment dire? Ça fait plusieurs aiguilles. Donc je me dis peut-être qu'à une certaine heure précise, on va attendre de voir un peu comment ça va évoluer tout ça. J'avoue que j'en sais rien. J'en sais pas grand-chose. Je vous l'avoue. On va patienter. Ah mais ça fait de la lumière bleue, regardez, sur les piliers. Ça remplit du sable. Ah merde, peut-être que j'aurais dû y aller là. Je pense qu'il faut au moins le premier. On va essayer de descendre, mais je sais pas si je dois être en haut pour que ça fasse une réaction. Voilà, là où il y a les écritures, en fait, ça faisait apparaître quelque chose. J'ai vu un truc bleu. Et justement, celui qui m'intéresse, c'était celui-là, et c'est celui-là qui avait un truc bleu. Alors j'espère que je vais pas devoir refaire un tour de cadran pour recommencer. Après, le problème, c'est est-ce qu'il faut être au-dessus?
Non, mais c'est vrai, c'est une bonne idée. Je suis sûr que ça vous parle. Est-ce que je peux voir de près? Ouais, je pense qu'il faut qu'il ait les trois en même temps, mais là, le mien de trait, il va pas en face. Mais la question, c'est est-ce que je peux le voir de là où je suis? Là, j'en suis pas sûr. Hein. Mais là, j'ai vu un truc bleu apparaître, ça c'est sûr. Il y avait genre trois lignes. Il y avait un petit quelque chose. Peut-être me mettre un peu en retrait. Le problème, c'est que là, je vois plus les trucs bleus. Et où est-ce qu'elles sont mes écritures? Ouais, toi aussi, tu te poses des questions. Alors, juste un truc, où est-ce qu'on est ici? C'est Nome de Sakkara. Ah, on a une limite en plus, tiens, en fait, on est dans un endroit où on n'a jamais vu. Et il y a une autre quête secondaire là-bas, mais je crois qu'elle est 30 pulses. Je crois que j'avais réussi à voir que c'était ça, il me semble. Je sais plus comment, mais ça apparaît pas toujours. Non, parce que si c'est une question, voilà, hein, de voilà, d'heure, mais j'ai l'impression que là on voit plus. Faudrait que je sois en haut. Est-ce que il faut que je recommence un tour de cadran? J'ai peut-être pas été au bon moment. Mais là, ouais, on voit, ça se remplit plus. Je ne sais pas. J'ai l'impression que ça le fait qu'au petit matin. D'après moi, ça a l'air de... Je pense que c'est à l'aube. Moi, je pars du principe, je pense que les trois piliers représentent ce qui fait apparaître, mais je crois que j'ai raté le compte à rebours. Là, ici, il y avait. Voilà, regarde. Ah, on voit qu'il y a une cible. Là, voilà, non, sur la. Là. Alors, la question, c'est est-ce qu'on peut le faire n'importe quand ou pas du tout? Je pense qu'il faut le faire quand c'est bleu, comme j'ai vu. Mais en tout cas, il y a une cible. Ça a l'air. Un poil trop, peut-être pour que je le fasse à pied. Regardez un truc. Ouais, dégâts, bah oui. Ouais, voilà. Ah, si, ça marche. Attendez. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai allumé des piliers. Alors là, c'est random. En fait, je peux le faire à n'importe quelle heure. Quoi, l'idée? Éclairant les dieux. Pareil. Qu'est-ce que je fais? Ben oui, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'ai-je fait? Ok. Je dois Bah, c'est finir tout. random, hein. Je ne sais pas ce que c'est censé faire. Mais en tout cas, ça nous dit d'aller vers le tombeau, j'imagine. Je pense que ça a ouvert la porte ou je ne sais quoi. Alors, on verra si la plupart d'entre vous ont trouvé à quoi correspond cette quête, à quoi correspond ce 15. Certains se diront que c'est logique. Voilà, donc la porte s'est ouverte, comme on avait dit. Un genre de tombeau s'est ouvert à nous, avec des torches bleues, quand même assez stylé. Sympa. On y voit comme à travers une pelle, mais.
C'est plutôt cool. Qu'est-ce que c'est que ça ? Salut, gardien qui veillez aux portes. Vous, qui avalez les âmes et dévorez les cadavres des défunts. J'ai fait un long voyage. J'ai vu tant de choses. Un genre de Medjay ? Je ne suis que l'un d'entre vous. Alors, qu'est-ce que c'est ? On a déjà vu cette lumière, il faut se rappeler. T'es avec le serpent géant, je crois. À ce moment-là, alors il a préféré se cacher. Même lui, il a pas confiance. Il se dit dans quelle merde je me suis fourré. Ah, ça fait tout péter. Mais c'est notre ami Hardin, dites-moi. FF15. Non, par contre, je me serais pas attendu à voir Hardin débarquer, j'avoue. On a fait venir Hardin ici avec... Ouah, l'épée géante, quelle est cette épée? Ouah, ça c'est stylé. Non, mais c'est cool, sachant que l'épisode Hardin n'est toujours pas... sorti à l'heure où j'enregistre, en tout cas. Donc c'est assez marrant. Ouais, non, mais ça fait des super et tout. Putain, c'est vraiment du FF, quoi. Allez, je vous laisse profiter. Ah. Bouclier, une arme qui sont restées ici. Ah ouais, on a vraiment les armes de FF15. C'est vraiment la même lame. Stylé. Non, ça a de la gueule. Et un boubou. Ah, le boubou, il est stylé aussi. Non, mais sans déconner, c'est classe. Ouais, alors, vous l'aviez vu venir ou pas, le coup de... Ouais, en plus, c'est que des légendaires. On a une monture Koué. Ah, cool. On a les chocobos de FF15, donc le Koué. Donc voilà, c'était la quête event liée à FF15. Sachant que, bah, en fait, dans FF, il y a un event qui a lieu avec Assassin's Creed. À l'époque d'origine, vu que les jeux étaient sortis quasi en même temps. Donc c'est assez marrant. Non, c'est assez marrant. Voilà, je voulais le faire, je voulais vous la montrer, je trouvais l'idée cool. Bon, après, malheureusement, ce que je trouve un peu dommage, c'est que, bah, mine de rien, la quête, elle est un peu light. Alors, bon, voilà, ça m'a pris quand même quoi, 20 minutes, parce que c'est vrai que je savais pas quoi faire. J'avais dit certainement il fallait que ce soit en plein jour. Alors j'étais venu ici moi pour reprendre une quête où on était. Alors il y a toujours ces épreuves. Attends, j'ai plus de quête en cours moi. Ah non, il me disait d'aller rejoindre un endroit, je ne sais plus où, par Barakis. J'étais par là moi. Donc il y avait un meurtre au temple. Donc ça c'est, je sais plus comment ça s'appelle, Baranis, Karanis pardon. J'ai des quêtes. Alors le truc c'est que le lézard je sais pas où ça mène. Mais là il y a beaucoup de quêtes secondaires. J'étais en cours avec vous normalement. Mais je ne sais plus où c'est. C'est peut-être ça l'attaque de rebelles hein, où on était. Donc alors on a dit que ça là on n'avait pas trouvé ici. Qu'est-ce qu'on a? On a une quête, le rite d'Anubis. Tiens, on pourrait aller voir ça. Ah bah on est un peu dans du secondaire, j'ai envie de vous dire. Merde, oui, je voulais. Pardon. Je voulais aussi venir là parce que bah forcément. On a un couet, moi je veux un chocobo. Voilà, Butters me l'avait dit. Enfin, je l'avoue, je savais que c'était une quête FF. Par contre, je m'attendais un tout petit peu mieux. Ah ouais, attends, on a la lame directe. Ah ouais, c'est stylé quand même. Meilleure lame au monde. On a 9 points de plus que notre épique qu'on avait jusqu'à présent. Et le boubou, bah voilà, il enterre tout, je pense. Ouais, complètement. Et il met 6 points de plus quand même. Donc on l'a eu au bon moment, mine de rien. Un peu après, bah peut-être que ça aurait été légèrement dépassé, mais on est à quelques pièces de légendaire. C'est plutôt cool, mine de rien. Et on a de quoi améliorer soit le maintien pour l'arc, donc les dégâts à l'arc, ou la lame. Sachant que tous les deux on est à 3. C'est une bonne question. C'est une bonne question, on va attendre, on verra plus tard. Donc. On a 800 mètres à faire. Appelons notre nouvel ami. Ah ouais, il est stylé. Donc c'est un genre de... C'est la version chameau du couet. Non, c'est marrant parce qu'ils ont mélangé avec le chameau quand même. Ça fait super bizarre parce que j'ai passé des heures sur les montures chocobo. Je dois avouer, dans FF15, j'ai déliré à jouer avec, faire des courses et autres. Je suis un fan de chocobo. J'ai même le t-shirt pour dire du festival du chocobo. Je l'avoue, je fais partie de ces gens-là. Mais c'est vrai que ça lui fait un gros cul, quoi, avec la selle et tout énorme. Mais c'est vrai que c'est... Ouais, ok, ouais, je vois ce que voulait dire Butters quand il m'avait dit, parce que ça, il m'avait parlé de l'arrêt des récompenses. Mais c'est vrai que je m'attendais à un truc un peu plus poussé, je veux dire, voilà, le truc d'Assassin's Creed dans FF, il durait quand même
au moins une demi-heure, je pense. Ah, mais je m'en fous, je trace. Je vous connais pas, je vais à travers le désert. À travers le bayou du désert. J'essaie de passer voilà par les montagnes pour voir ce qu'on a. Mais c'est con qu'on nous ait pas mis un pur chocobo, ça aurait été encore plus sympa. Mais allez, je suis preneur. Voilà, on a un nouveau lieu, Tria. Alors, non, calme-toi. Ouais, mais c'est qui m'a suivi jusqu'ici? Mais il faut pas me suivre comme ça, toi. Ouais, il m'a mis... non, c'est vrai qu'il m'avait mis un coup surpuissant. Ça arrive, bro. Moi, j'étais venu voir là ce qu'il y a. Ah, mais c'est la ville, en fait, ça. Non, c'est pas interdit d'être ici. Pas de conneries. Là, il y a un truc dans le coin. Ok, allons voir ça. Est-ce qu'il y a moyen de descendre ici sans mûrir? Sans faire mal à notre chocobo. Notre chacobo. Ah bah ouais, plutôt qu'un chocobo, autant dire que c'est un chacobo. Mais j'étais pas passé par ici, non. Allons voir ça. Là, il y a un trésor normalement. C'était sur la droite, je crois, moi, un peu plus loin, où j'avais vu qu'il y avait quelque chose. Où est-ce qu'il est, ce trésor? Mercredi, où es-tu, vilain trésor? Alors, je sais pas, est-ce que c'est un truc de zone? Est-ce que c'est une feinte? J'ai l'impression qu'on peut grimper. Là-haut, il y a l'air d'avoir un truc. Voilà, qu'est-ce que c'est ça? Anouk, nous avons encore volé de riches clients qui viennent au bain salé. Ils ne s'en rendent même pas compte, mais pour la dernière fois, démonte cette échelle avant que quelqu'un ne trouve notre butin. Ah cool, il y a leur butin. Bah moi, je dépouille. Un arc de chasseur. Voilà, cool. Ouais, c'était ça, leur butin. C'est de la merde. Excuse-moi, si t'as dépouillé un mec pour lui piquer son arc... Non, mais ça fait des rires en fait. En fait, ils ont déguisé le chameau, quoi. Ça me fait marrer, pardon, mais ça me fait des rires. Parce que ça fait vraiment un gros cul, quoi. Il y a des sapes ici. J'ai de l'argent. Lui, il est du pognon. Commandant Perse. Un Irtu égyptien, chef de maraudeur. Bah ça y est, toujours, je crois que c'est la couleur qui change. En fait, c'est les couleurs, je sais pas. Plus les couleurs qui changent. Alors là, il y a une quête. Arrête de bouger, madame. T'arrives. Viens dès là. Viens dès là, viens dès... Tu dois être très courageux ou très stupide pour mettre les pieds ici. Bah, j'ai bien été à l'Étopolis, alors j'ai buté des gens. Accepte mes humbles bénédictions. Ouah, pourquoi il met un coup dans le tibia, lui? Si, qu'est-ce que tu veux, toi? C'était la femme de Roger. Ah non, c'est sa femme. Tu t'attendais à un chaleureux accueil? Ah, mais ici aussi, j'ai tué un genre. Ah, j'ai oublié. Bah, pour une fois qu'ils me le rendent mal. Allez, par ici, Bayek. Et apporte donc tes 1000 bénédictions. Tu en auras besoin. Plus de respect, oh. Je suis triste pour elle. Mais c'était nécessaire. Ça a l'air d'aller. Mieux que lorsque je t'ai trouvé. À ce propos, tes talents de tueur ont progressé? Rudjek n'était que le premier. Oui, Tatrak, le héros. Ah mais Rudjek, ouais, c'est un des premiers, c'était le début du jeu. Implorer le pardon d'Anubis. C'est pour ça que c'était sa femme. Bah, elle habite loin. De quoi tu veux parler? Évidemment, comment le pourrais-tu? Tu es parti dès ton réveil. Tu sais que c'est ici qu'on Ouais, deux secondes. Moi, ce que j'en dis, c'est qu'on va se quitter ici. Je vous retrouve dans le prochain épisode pour la suite de cette quête. Peut-être pour prendre un niveau 26, allez savoir. Hein, parce que je pense que de toute façon, on va avoir besoin de XP avec tous les events, les quêtes qui nous attendent. En tout cas, il y a énormément de missions secondaires. C'est peut-être même le meilleur attrait du jeu. Je pense à durée de vie, parce que mine de rien, j'ai passé 15 heures avec vous. Mais moi, j'ai passé le cap des 25 heures là. Au moment où je parle, on a passé le top des 25 heures et je pense qu'on est parti pour 30-40 heures de jeu minimum. Facile, parce que moi, des quêtes, il m'en reste. Hein. Je vous ai dit, la plupart, je les fais pas. Je me suis un peu quand même pas mal avancé entre temps. Mais il
En reste vraiment beaucoup. Et sachant que c'est une monture légendaire, ça c'est cool. Il faudrait une tenue légendaire, un arc légendaire. Et je pense qu'on a la totale légendaire. Ce serait pas mal. Ça aura de la gueule. Mais voilà, en tout cas, merci à vous d'avoir regardé cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Voilà, c'était un petit event comme ça. Je voulais montrer. Je voulais qu'on voit ça parce que ça fait partie des petits Alléluia où on tombe dessus. Et puis, comme j'étais pas très loin, je me doutais que ça pouvait être ça. Vu que Butter, c'est à peu près mon level, je me suis dit qu'il devait être dans le coin. C'est la seule quête qui pouvait ressembler à une quête événement. Sachant que de toute façon, maintenant j'en étais fixé, que la couleur était dédiée à ça. Donc, j'irai voir à quoi correspondent les autres, mais je ne sais pas du tout. Je pense qu'il y a eu d'autres collaborations, possiblement. Donc voilà, merci à vous, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Moi, je vous retrouve très bientôt. Je vous dis à la prochaine, les amis. Ciao, ciao.